今夜の司会は南方るとき、私、柴田誠がお送りします。私はゼロというゲームのディレクターなんですけども、ヨーロッパでは、プロジェクトゼロ、こういうタイトルで呼ばれています。今日のリストはですね、ノーライフニュース、ゲームレビュー、ユーミートゥープパレル、アニメリリース、その4つです。まず最初はノーライフニュースからどうぞ。For centuries, man has struggled to understand his true nature. Après un premier volet révolutionnaire et un second nettement plus anecdotique, Deus Ex est de retour avec un troisième épisode dont la date de sortie est encore inconnue. Si l'on sait que le titre sera édité comme ses prédécesseurs par Eidos Interactive, aucune autre information n'a encore été communiquée, et ce n'est pas cette vidéo peu explicite qui nous aidera à y voir plus clair. Namco Bandai Games vient de dévoiler quelques images de son tout dernier RPG en projet, intitulé Fragile Sayonara Tsuki no Haikyo. Le joueur y incarnera Seto, un jeune homme explorant les ruines d'une ville fantôme à la recherche de survivants et d'une femme mystérieuse. À cause de l'épais brouillard qui recouvre l'endroit, le héros sera muni d'une lampe, qui constituera d'ailleurs l'une des clés du gameplay grâce à son utilisation via la Wiimote. Le jeu est attendu pour 2008 au Japon, sans plus de précision. Kingdom Under Fire Circle of Doom est un action RPG qui rompt totalement avec la tradition de la série, les épisodes précédents étant des RTS. Univers Heroic Fantasy, personnages aux capacités distinctes, armes à foison ou encore monstres en pagaille, des éléments on ne peut plus classiques qui constitueront le cœur du jeu. A noter qu'une partie débutée solo pourra être continuée en multi grâce au Xbox Live, et ce jusqu'à 4 joueurs. Sorti sur Xbox 360 le 13 décembre au Japon. La nouvelle extension gratuite du MMORPG EVE Online, intitulée Trinity, apportera principalement une mise à jour graphique globale. Plusieurs autres ajouts sont également prévus, comme de nouveaux vaisseaux, ainsi que des missions et des zones supplémentaires, entre autres. Le gameplay a lui aussi été retouché pour permettre une meilleure dynamique au niveau des combats. Pour finir, voici quelques images de Fading Shadows. Dans ce jeu de réflexion, il faudra guider une boule dans des décors en 3D à l'aide d'un faisceau lumineux. A priori pas d'une originalité fulgurante, le titre devrait être disponible sur PSP en février prochain. テレビゲームといえばですね、プロジェクトゼロ、プロジェクトゼロは1,2,3と3つ出てるんですけども、そうですね、新作についてはいろいろ聞かれるんですけども、まだ言えることはないんです。ごめんなさい。それではですね、ゲームレビューの方どうぞ。
Ubisoft avait décidé de soutenir le lancement de la Wii l'année dernière, notamment en prévoyant deux jeux inédits pour le line-up de lancement. Si les avis sur Red Steel restèrent plutôt mitigés, Rayman contre les lapins crétins ont su conquérir les médias comme le public. Les lapins crétins sont comme on les aime, petits, trognons, mais incroyablement débiles. Ubisoft a bien compris qu'il n'y a pas meilleur plaisir que de chahuter plus abruti que soi. Et c'est dans cet esprit qu'on aura affaire à des léporidés encore plus crétins. Et oui, c'est possible. La Wii, à sa sortie, laissait présager de grandes choses, avec sa manette révolutionnaire capable de reconnaître les mouvements et l'espace dans lequel elle se trouve. Et pour prouver qu'en France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées, Ubisoft a sorti un party game où cette télécommande d'un nouveau genre sera mise à rude épreuve. Pour taper, il faudra donner un coup de Wiimote. Pour courir, il faudra agiter ses bras à un rythme effréné. Il faudra même à certains moments danser avec sa Wiimote et son nunchuk dans les mains. Dans Rayman contre les lapins encore plus crétins, c'est un peu la même chose avec encore plus de et encore plus de customisation. Autant le premier épisode était plutôt axé jeu solo, autant ce Rayman contre les lapins encore plus crétins a choisi de jouer sur son point fort, en se recentrant sur le multijoueur. Il s'agit donc ici, comme l'épisode précédent, d'un party game. C'est-à-dire que les joueurs devront s'affronter dans une succession de mini-jeux à la force de leurs poignets. Dès le début, on se retrouve dans un hall de galerie marchande en guise de menu. Si le premier Rayman contre les lapins crétins se déroulait dans l'univers du héros de Michel Ancel, cet épisode prend place sur notre belle planète bleue. L'agence de voyage permettra à Rayman de se rendre dans différents endroits du globe à la chasse aux lapins. Il faudra donc choisir une destination parmi les continents proposés. Le voyage se découpe en 6 étapes. Chacune de ces étapes se déroulera dans une version stéréotypée et idyllique des lieux fréquentés. Ainsi, en Europe, on pourra aussi bien se retrouver dans un Paris carte postale que sur des lacs gelés de Scandinavie, en train de faire du patin à glace. Les régions détermineront aussi le type d'épreuve. L'Europe, dans sa tradition gastronomique, favorisera des exercices de restauration, alors qu'en Amérique du Nord, il sera possible de se prendre pour un super-héros tisseur de toile. Finalement, après 5 challenges différents, le joueur achèvera son voyage par une séance musicale tout bonnement géniale. Ne serait-ce que pour entendre les versions lapin crétin de Smoke on the Water des Deep Purple ou le Celebration des Kool & The Gang. Il s'agit ici d'un beatmania miniature où il sera possible de jouer soit à la guitare, à la basse, à la batterie, au cuivre et même au chant. Il faudra pour cela agiter sa petite mimine au moment où l'icône touche la barre de rythme, exactement comme dans un pop and music. Une fois les épreuves achevées, on débloque un mode de jeu de tir qui a toujours lieu dans les continents visités. C'est vraiment devenu un mode à part entière qui se déroule en prise de vue réelle. On peut se retrouver chassant le lapin dans la Grande Pomme, mais la ville la mieux représentée est Cocorico, Paris, la cité des rêves. Le joueur se retrouve tantôt sur les quais de Seine, tantôt non loin de Montmartre. Les lapins crétins iront même jusqu'à envahir une célèbre revue se situant sur l'avenue des Champs-Élysées. Ce mode de jeu avait vraiment impressionné lors du précédent épisode, et pourtant, le rendu est encore plus saisissant dans un vrai monde. Dommage que ces escapades ne durent pas plus longtemps, ça éviterait à pas mal de monde de sortir de chez soi. Une fois toutes les épreuves terminées, un score est affecté au joueur, qui, s'il le veut, pourra frimer devant ses camarades en plaçant son score online. Malheureusement, c'est ici la seule fonctionnalité online du jeu. Mais revenons à nos moutons. Dans le menu principal, il est aussi possible de jouer en mode libre, ce qui signifie que le joueur peut jouer à sa guise à toutes les épreuves débloquées. Un autre mode de jeu est intéressant, c'est la personnalisation de voyage. Il faut alors choisir ses épreuves parmi celles qui ont été débloquées, ensuite il faut choisir une règle d'attribution des points. Une règle en particulier est injuste mais incroyablement jouissive, la classe lapin. Apparemment, chez les lapins, on ne sait pas très bien compter les points. Terminer premier, troisième ou quatrième ne sera pas éliminatoire. Ce sera réservé à la seconde place. Ces modes se jouent bien évidemment autant en solo qu'en multi, ce dernier choix étant le plus judicieux pour ce type de jeu. Mais ce n'est pas tout. Sur le Plaza aussi, il se passe des choses. C'est ici qu'est disponible le fameux jeu de tir, mais aussi les crédits du jeu ou encore le jukebox qui permet de réécouter les musiques. Mais on passera le plus de temps dans la boutique de modes. C'est un endroit où l'on pourra customiser ses lapins à volonté. Car en jouant, il sera possible de débloquer de nombreux costumes sous certaines conditions. On pourra même mélanger les costumes. Ainsi, il sera possible de combiner le chapeau de cow-boy avec la tenue de ninja. Et
Les lapins sont peut-être encore plus crétins, mais le jeu au final est encore mieux que le précédent volet. On s'attache très vite aux animaux à grandes oreilles, mais au faible QI. De plus, c'est une joie de se dépasser sur les phases de jeux musicaux ou de FPS en prise de vue réelle. Le manque de diversité, par contre, est le point faible du jeu. Point faible qui peut être écarté par le mode multijoueur. Mais là où le bât blesse vraiment, c'est sur l'absence de mode online. Il est certes possible de s'échanger les scores, mais il ne faut pas compter sur un mode multijoueur online. Ce qui est vraiment dommage, car il ajouterait à ce titre une durée de vie encore plus conséquente. Car si le joueur a une Wii, mais pas d'amis, il risque vite de s'ennuyer. Mais bon, Rayman contre les lapins encore plus crétins a le mérite de nous faire voyager avec les créatures les plus stupides qui soient. ユンミートゥプルパレデューのコーナーです。そうですね。フランス語はすごく難しくてですね、街の人と話すのもすごく大変なんですけども、最初に、カフェに入って、話す時に、まずもう日本人だと、まあ、みんな瞬間に、ああ、というしまったという顔をされましてですね、やっぱあんまりフランス語は喋れないっていうことが分かってたらしくてですね、もうなんかこう、ボディーランゲージでようやくこう通じたという感じでした。それからもういくつかフランス語も学んだんですけども、やはりまだ街の人と話すのは大変ですね。カフェなんかでも注文するのが大変です。以上、ユンミートゥプルパレデューのコーナーでした。 Aujourd'hui, dans une minute, on va parler de cette répétition. Mais j'adore. On va parler d'herpès. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ettenbrook, bonjour. Bonjour. Et vous êtes collectionneur d'herpès. Vous les avez tous, sauf celui au cerveau, c'est ça? Pas du tout. En fait, j'ai inventé l'herpès. Ainsi que le gaz moutarde, c'était en 1915, pendant la Première Guerre mondiale. Excusez-moi, j'avais pas du tout ça sur mes fiches. Il va falloir que je punisse mon assistante. Mais elle me fait ça depuis des années maintenant. Hein. Elle se trompe à chaque fois. Je sais. Ce coup-là, je la vire. Ah non, vous pouvez pas faire ça. Merci. Non, vous pouvez pas. Non, mais techniquement, vous pouvez pas. Si, je l'appelle, je fais « Oh, cocotte, t'es virée, tu reviens pas demain, hein, c'est bon, hein ?» Tu vois ? Non, faites-moi... Et ton mug, je te le renvoie par la poste. Faites-moi confiance, vous ne pouvez pas la virer. Pourquoi ? Parce que si vous la virez, ça enlève un de nos gags récurrents, notre running gag de tout qu'on fait dans chaque émission. Et après, comment on fait pour combler notre manque d'imagination ? Vous avez raison, Jean-Mi. Vous avez raison. Je vais l'appeler. Vous savez quoi? Je vais lui dire « Allô, cocotte, t'es pas virée !» Hop, comme ça, elle sera bien attrapée. Vous auriez pu lui dire qu'elle se coiffe comme vous aussi. Ça aurait été méchant. Non, parce qu'à vous, ça vous va bien. Mais à une fille, ça est moins. Vous savez, il y a des gens qui sont peut-être malades. Hein? Et peut-être que balancer des phrases comme ça peut leur faire mal. Je suis désolé. Pas grave. Revenons à nos gallinacés. Revenons à nos gallinacés. Nos moutons. Je vous ai bien dit, hein. Gallinacé et mouton, c'est la même chose. Le gallinacé, c'est le nom savant pour le mouton. Les savants, ils disent, oh, apportez-moi un gallinacé et je vais lui faire une piqûre. Voilà. Non. Le mouton, c'est un bovidé. Gallinacé, c'est le nom savant pour les poules. Eh ben, Jean-Mi, aujourd'hui, je vous trouve très pointillé. Pointilleux. Non, rien. Quoi ? Alors j'ai envie de dire, quoi, coquesse, le gaz moutarde et l'herpès, j'ai envie de dire. En fait, ce sont des armes biologiques et bactériologiques que j'ai inventées pendant la Première Guerre mondiale. Tout simplement. Bon, alors, je m'excuse un petit peu, hein. Mais alors, je me dis, alors, le gaz moutarde, je comprends, hein, c'est pour tuer les méchants. Mais c'est du gaz moutarde, ah, je meurs. Parce que c'est de la moutarde. Mais l'herpès, je comprends pas. Parce que ça tue pas les méchants, l'herpès. Non, mais l'herpès, c'était pour notre propre camp. C'est-à-dire?
en fait, dans les tranchées. Oui. Pour éviter que les soldats... Les tranchées, c'était des trous. Oui. Hein. Pour éviter que les soldats se roulent des pelles au lieu de faire le guet, on a inventé l'herpès. Ah, d'accord. Excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Je suis Big Ben. L'horloge? Non, mon voisin anglais obèse. Je suis Big Ben. L'horloge? Non, mon voisin anglais obèse. Et vous donnez l'heure? Oui, parfois. T'aimerais que je te donne l'heure? Ouais, il est quelle heure, là? Il est l'heure de te faire un bisou sur le front? Non. Si? Non. 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 Si. Non. Ah non. Ah, tu dis si après. Ah mais si, pour que je vais te taper. Ah oui, d'accord. c'est parti. C'est parti. アニメといえばですね、フランスのアニメで、ファンタスティックプラネットという古いアニメがあるんですけども、初めてだけすごいショックを受けましてですね、やっぱ動きが日本のアニメと全然違うんですよね。なんていうんですかね、なんかまあ絵画調なんですけども、動きがなんかしっとりとした動きで、日本のアニメはまあ歌舞伎みたいなものでですね、やっぱ決めポーズがあってそれをつなげる感じなんですけども、まあ非常に絵画的な絵をずっとつなげた感じでついているのとですね、なんかこう世界観がですね、やっぱり面白くてですね、あの 青い顔が出てきたりですね、こう片隅を背負った人が出てきたりして、なんかこう一回見たら忘れられないアニメでしたね。あれは小さい頃によく覚えてます。あと何かこう妙にこう肌の質感がエロチックだったりしてですね、日本のアニメないものがありました。それでは次、アニメのコーナー、どうぞ。Après l'OAV, reprenant la première saison de Standalone Complex, Biz sort simultanément ce deuxième long-métrage reprenant, lui, la deuxième saison de la série TV de Ghost in the Shell. Encore une fois, c'est un gros pavé de plus de 2h30 qui attend le spectateur. Mais contrairement à la première OAV, le rieur, qui restait un gros patchwork de la première saison, un poil indigeste tout de même, ce remontage conserve une plus grande homogénéité. Beaucoup d'éléments ont été supprimés ou raccourcis à l'extrême pour se concentrer sur le cœur de l'histoire, et notamment tout le dénouement de la crise de Dejima. Cette unité de lieu et d'action permet aux spectateurs de se concentrer sur une intrigue comme d'habitude, très profonde. Le travail de remontage, et notamment de réécriture des dialogues, est ici beaucoup plus convaincant que sur la première OAV, et permet de rendre plus explicites les relations entre les personnages principaux. Le tout se tient donc très bien, et pourrait presque s'élever au rang d'un film pour le cinéma. Si ce n'est que la densité de l'intrigue pourra dérouter ceux qui ne sont pas habitués à l'univers de Ghost in the Shell. De plus, comme le tri a été beaucoup plus sélectif pour cette OAV que pour la précédente, ceux qui veulent découvrir par la suite la seconde saison dans son intégralité auront encore de jolies surprises à découvrir. Plus maîtrisé que la première OAV, avec un final toujours aussi prenant, ce film est une bonne occasion de découvrir cette histoire. Ceux qui ont déjà vu la seconde saison pourront sans doute s'en passer, même si ce remontage reste plus intéressant que celui du rieur. Au niveau de l'édition française, Biz propose une édition simple et une édition en deux DVD. Le Digipack Collector est très agréable et propose un petit feuillet avec un diagramme présentant les différents protagonistes. Sur le DVD bonus, on trouvera simplement un entretien d'une demi-heure environ entre le réalisateur Kamiyama Kenji et la comédienne Tanaka Atsuko, qui donne sa voix au Major Kusanagi. Il y a également un sujet sur le créateur du logo des 11 individuels, mais cet entretien avait déjà été proposé sur les DVD de la série. On peut noter également les sous-titres parfois assez ardus à suivre, ce qui n'est pas surprenant au vu de la complexité de l'histoire. Néanmoins, certaines confusions ou imprécisions auraient pu être évitées. Au niveau audio, on remarquera que les pistes japonaises et françaises ne sont proposées qu'en 5.1. Et si vous n'êtes pas équipé de home cinéma, tant pis pour vous. La version anglaise, quant à elle, est uniquement proposée en stéréo. Avec ces DVD, il ne doit plus rester grand-chose de la licence Ghost in the Shell à exploiter désormais. Mais vu le succès des séries au Japon, on peut espérer que d'autres projets seront mis en chantier pour continuer à nous raconter les aventures de la section 9.
脳を揺らすしかねえ。お別れの時間になりました。実は私事なんですけども、実は先日結婚しまして、このフランスにはですね、ハネムーンで来てるんですよ。実はここにいるのが妻のゆきです。おめでとう。